ou Zelda, avec un remake de A Link to the Past, l'aventure qui nous avait émerveillés sur Super NES. Mais attention, cette fois, les développeurs ont fait preuve d'originalité, puisque nous aurons droit sur la même cartouche à une nouvelle quête jouable à 4 simultanément, chacun incarnant un Link de couleurs différentes et s'entraidant pour progresser dans les donjons. Très classe.